Bonjour, gardien et gardien, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour la petite revue de Xur, où est-il et que vont-ils, donc en ce week-end du 26 août, pardon. Et sans plus attendre, on va se rendre à la tour, parce que Xur se trouve à la tour ce week-end. Je vais pouvoir vous faire cette vidéo un petit peu plus tôt que prévu, parce qu'on n'aura malheureusement pas le temps de finir le raid une deuxième fois. On a réussi à tomber quand même une première fois, mais ce sera trop juste pour le faire une deuxième fois. Donc ça me permet de pouvoir publier cette vidéo plus rapidement que prévu. Voilà, nous sommes arrivés à la tour. Comme d'habitude, je vais laisser volontairement le chemin en entier pour les personnes qui ne connaîtraient pas exactement où se trouve Xur dans ce cas-là, puisqu'elle débuterait sur le jeu. Donc on va prendre ce petit escalier. En bas de cet escalier, on va prendre sur la gauche. Et on va prendre le petit escalier qui se trouve un petit peu plus loin sur notre gauche. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu nous vends de beau ce week-end, Xur? Voici ce que vous proposent les neufs. Ah, au niveau de l'arme, il nous vend le Serment des Embraseurs. Serment des Embraseurs, très bon éclaireur exotique lorsque vous avez des cabales à effectuer. Parce que comme vous l'aurez remarqué, c'est l'arme qui est utilisée par les cabales. Vous avez surtout en plus un catalyseur qui permet d'avoir une bien meilleure arme dans ce cas-là. Puisque de toute façon, vous allez avoir des projectiles qui vont avoir une tête chercheuse. Donc c'est plutôt pas mal comme ça. La particularité de cette arme, en fait, c'est qu'elle peut également transpercer les boucliers des cabanes, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous la conseille hein, si vous ne l'avez pas. Alors au niveau du chasseur, nous avons les harnais de Renju qui permettent en fait de pouvoir faire une garde au niveau des objets ou des projectiles que vous allez recevoir, donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez une énergie qui est consommée assez lentement lorsque vous faites votre garde, donc ça peut être assez utile. Par contre, malheureusement, au niveau des stats, on a donc avec 15 de mobilité et 12 de résistance, ce qui était pas trop mal. 12 intel, mais on a quand même du 58 global qui est plutôt bas. Donc si vous êtes un débutant et que vous n'avez pas, vous pouvez toujours le prendre, ça pourra toujours vous servir. Pour les personnes les plus expérimentées, je pense qu'elles pourront le prendre pour le débloquer comme ça, mais elles pourront le relooter par la suite sans aucun souci. Au niveau du titan, nous avons de nouveau le guerrier éternel, hein, décidément. Par contre, on l'a avec de moins bonnes stats qu'auparavant. En fait, ça vous permet, en fait, pour rappel, d'avoir un surbouclier lorsque vous déclenchez votre onde cryoélectrique. Et donc, on a avec 16 de récupération, 12 de discipline et 14 d'intelligence pour un total de 66. Les stats sont pas trop mauvaises, mais on peut avoir bien mieux, mais ça peut être utilisable. Et enfin, au niveau de l'arcaniste, nous avons les esprits des éons. Alors, les esprits des éons sont surtout beaucoup utilisés lorsque vous avez des activités de haut niveau. En fait, vous avez trois possibilités à choisir à ce niveau-ci qui vous permettent trois fonctions différentes. Soit vous allez générer pour votre escouade des munitions lorsque vous allez faire votre coup de grâce, par exemple. Ça peut vous faire récupérer les compétences pour vos alliés, et puis etc. On l'a donc avec des stats qui pourraient être bien meilleures quand même, avec donc 4 de résistance, 19 de récupération, 14 intel et 13 de force pour un total de 61. Les 61 sont un peu faibles, mais dans le pire des cas, prenez-les. Hein, si vous ne l'avez pas, ça vous permettra de le débloquer et de pouvoir le relooter par la suite. Au niveau des exotiques, nous avons également donc le rapace noir, qui est proposé avec un rôle assez moyen, hein, donc là je ne le conseille pas particulièrement, non pas que Vent Meurtrier soit pas bon, mais en général on préfère avoir Télémètre ici. Donc attendez plutôt peut-être, si vous n'êtes pas pressé, d'avoir un bien meilleur rôle. Et au niveau du Récit d'un Homme Mort, pareil, on a un Récit d'un Homme Mort qui est assez moyen, d'autant plus qu'ici on préférera quand même avoir Vorpal, comme vous le savez. Au niveau des exotiques, n'oubliez pas, vous avez l'engramme prédestiné. Alors l'engramme prédestiné vous permet d'avoir une arme ou une armure, mais que vous n'auriez pas, mais antérieure à la saison 12, puisque depuis la saison 12, toutes les nouvelles armures exotiques ne s'obtiennent exclusivement qu'en secteur oublié, en mode légende ou maîtrise, et surtout en solo. Et dans ces cas-là, je vous mettrai en petit rappel les tutoriels que j'avais fait sur le secteur oublié. Je crois qu'il y a deux secteurs oubliés nouveaux qui sont apparus sur Nessus, il faudra que je vous les fasse également.
Si vous avez toutes les armes et les armures, y compris de la saison actuelle, donc de la saison 18, ça peut vous permettre donc d'avoir une armure avec des stats aléatoires et des fois on peut avoir de très bonnes surprises. Et enfin, nous avons donc la quête de Xur hein, pour avoir un cryptage exotique. Alors pour ça, il faudra qu'une fois que vous avez récupéré la quête, que vous fassiez 21 activités si vous êtes en solo. Si vous êtes en clan et que si vous le faites avec un membre de votre clan ou deux autres membres de votre clan, ce que je vous conseille, donc ça peut vous permettre de diviser par 2 ce nombre d'activités à faire ou éventuellement par 3 si vous faites des activités à haut niveau. Si vous faites des assauts, ça sera divisé par 2. Si vous faites des nuits noires, par exemple, ça sera divisé par 3. Et il faut que vous fassiez soit des assauts, du PVP ou de combat. Hein, vous pouvez faire un mix des 3, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez fini toutes vos activités et validé cette quête, vous revenez voir Xur pour la récupérer. Vous allez pouvoir l'utiliser de 3 façons. Soit vous allez pouvoir avoir un nouvel engramme prédestiné. De toute façon, vous pourrez le faire une fois par semaine. Vous voyez, j'ai pu le faire une fois, mais je ne pourrais pas le faire une deuxième fois. Soit vous allez pouvoir acheter un rapace noir ou un récit d'un homme mort. Et la troisième utilisation, ça sera au kiosque exotique. Je vous mettrai en suggestion le petit tutoriel que j'avais fait. Ça peut vous permettre d'acheter une ancienne arme exotique d'une ancienne quête exotique que vous n'auriez pas pu faire. Et voilà, ça va être tout pour la partie exotique. On va bien sûr partir à la partie légendaire. Donc au niveau des armes, on a la carabine de 7e Séraphin, mais qui dans le rôle qui est proposé est pas génial, je vous le conseille pas particulièrement. Au niveau de l'automatique, pareil, hein, le Chris Suramedo, alors ça sera éventuellement si je dis... Non, mais pour une utilisation normale, donc pas de haut niveau, pourquoi pas avec Libellule et Hors-la-Loi, même si pour cette automatique on peut avoir bien mieux, mais pourquoi pas. Sur l'arc Tire-Loup, là par contre vous pourriez avoir une utilisation PVP, alors après pour les personnes qui jouent arc PVP bien sûr, même si elle jouera probablement plus la Ghoul Trinitaire ou éventuellement le Monarque, ça peut être un arc qui peut être correct pour du PVP. Nous avons la coordonnée cartésienne qui là malheureusement n'est pas proposée avec un bon rôle. Hein. Le rôle qu'avait vendu Bungie il y a quelques temps, et je pense que les personnes qui sont plus anciennes sur le jeu s'en souviendraient, c'était ce rôle-ci qui pour du PVE était vraiment très très bien. Donc avec cartouche de clone, Vorpal, on avait solide d'accélération et on avait le bon viseur avec surtout une pièce maîtresse de charge. C'était vraiment tip top au moment où Bungie a vendu ses petits fusions. L'autre fusion d'une autre ancienne saison, le Yota Draconis, pareil, alors éventuellement pour une utilisation PVP, mais on peut avoir bien mieux, d'autant plus que de toute façon les fusions à fort impact ne sont pas les fusions qui sont les plus utilisées, parce que ce n'est pas ceux qui sont les plus performants. Nous avons un ancien fusion linéaire, le Tarantule. Alors le Tarantule pourrait être éventuellement utilisé pour du PVP, avec ou du PVP d'ailleurs avec stable boucherie. Vous avez un solide d'accélération, une pièce de recharge en rechargement. Par contre, enfin en temps de charge, je vous conseillerais plutôt le fusion linéaire du donjon, hein, du dernier donjon, avec éventuellement un rôle comme ceci qui sera bien meilleur si vous êtes en team, donc avec peloton, cartouche de clone. Vous auriez éventuellement la batterie ionisée pour avoir une balle supplémentaire de votre chargeur. Après, les canons, c'est les goûts et les couleurs, là-dessus je vous laisse juger. Si vous êtes en solo, préférez plutôt frénésie que Vorpal d'ailleurs, parce que ça vous donnera plus de dégâts. Il sera bien meilleur que la Tarantule, d'ailleurs on l'a tous remplacé par justement ce petit chasse-tempête du donjon. Et enfin nous avons l'Orbite Gelée. Alors l'Orbite Gelée est un très bon sniper, par contre dans la configuration qui est proposée, ça n'en vaut pas vraiment le coup. On peut avoir bien meilleur. Voilà, ça va être tout pour les armes et on va bien sûr passer au niveau des armures. Donc pour l'Arcaniste, la meilleure pièce d'armure, ça pourrait être éventuellement ses bottes, même si elles sont assez basses. Donc avec 7 de résistance, 21 de récupération, 15 intelligence pour un total de 60. Hein. C'est la meilleure pièce, hein, mais bon, elle est assez basse quand même. Et on va bien sûr enchaîner donc avec le Titan. Et donc pour le Titan, il y a 2 pièces qui ont retenu mon attention. Donc il y a cette excellente torse hein, que je vous conseille particulièrement. Donc avec 14 de résistance, 16 de récupération et 23 d'intelligence pour un total de 65. Honnêtement, c'est vraiment une très très bonne pièce. Hein. Foncez-y si vous n'avez pas mieux. Hein. Ça serait vraiment dommage de le louper.
Et vous auriez éventuellement ce casque, même si les stats globales sont un peu plus basses, mais qui reste tout à fait conforme avec le reste, donc avec 10 de résistance, 19 de récupération, 17 de discipline et 10 d'intelligence pour un total de 60. Mais la meilleure pièce restera là, mais comme vous regardez, ça fait vraiment une bonne synergie avec les deux. Voilà, on va bien sûr passer maintenant avec le chasseur. Et pour le chasseur, la meilleure pièce qui serait vendue ce week-end par Xur, ça serait ce torse. Donc avec 17 de mobilité, 9 de récupération, 17 de discipline et 10 d'intelligence pour un total de 57. Alors le 57 peut paraître un peu bas, mais ça sera vraiment pour les débutants. Mais vous avez quand même 17 de mobilité et 17 de discipline. Donc ça peut être intéressant pour compléter un build pour un débutant. Mais ça va être tout ce qui va être proposé par Xur pour le chasseur ce week-end. Voilà, on va en rester là pour cette petite revue de Xur. Que vend-il en ce week-end donc du 26 août hein. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui ont pris le temps de la regarder. Je souhaite un bon courage à tous ceux qui sont encore sur le Day One. Et sur ce, gardiennes et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de votre spectre.